Nous revoici donc en présence de Claire Dupuis-Surpas. Bonjour Claire. Bonjour Séverine. Comment ça va? Bah bien, je suis contente. Nous aussi, on est ravis de t'accueillir une nouvelle fois donc sur le salon professionnel de Nantes, qui est un salon que du coup tu connais très bien. Que en je tout connais cas. Et que j'aime beaucoup. Voilà, et du coup, on est ravis voilà, que tu nous parles effectivement de Ensemble un Job, qui est un super outil de bilan de compétences collaboratif qui permet de retrouver un emploi efficacement et rapidement. Oui, là, c'est bon, je commence le workshop. C'est parti. Ok, alors bonjour à toutes. Donc, moi, je m'appelle Claire Dupuis-Surpas et l'objet de notre workshop ce matin, c'est de découvrir le bilan de compétences collaboratif Ensemble un Job qui s'appelle l'autre bilan. Alors, je voudrais juste vous dire que c'est un plaisir pour moi de parler ce matin. D'abord parce que ça veut dire que la vie repart et qu'on va se rencontrer bientôt à Nantes jeudi. Après, là, vous voyez, pendant une demi-heure, je parle à mon écran. Donc, il ne faut pas m'en vouloir si parfois je vais un petit peu vite parce que je ne suis pas malheureusement dans l'interaction. Donc, si jamais tu as beaucoup de réactions, Séverine, ou voilà, surtout, tu n'hésites pas. Merci. Moi, je suis Claire Dupuis-Surpas et j'ai créé en 2016 Ensemble un Job, qui est l'unique bilan de compétences collaboratif qui s'appelle l'autre bilan et qui est un bilan de compétences certifié Calliope et pris en charge par le compte personnel de formation à 100%. Et nous sommes un bilan qui est innovant, solidaire et au juste prix. C'est le meilleur rapport qualité-prix. Et ce qui m'intéresse ce matin, c'est vraiment de vous expliquer comment ça marche et surtout comment la dimension collaborative et les échanges que vous allez avoir très régulièrement avec votre groupe, qui est un petit groupe avec lequel vous nouez des relations très fortes, ces échanges vous enrichissent dans votre recherche d'emploi et dans votre démarche de définition de projet professionnel, que vous, ça vous apportez également aux membres de votre groupe et que vous vivez cette période de recherche d'emploi et en tout cas de questionnement pour celles qui sont en poste d'une manière apaisée, plus douce et extrêmement entourée. Donc moi, je m'appelle Claire Dupuis-Surpas, comme je vous l'ai dit. Je suis une ancienne avocate. À 30 ans, j'ai décidé de me reconvertir dans les ressources humaines. Donc je suis diplômée du CELSA en ressources humaines. Ensuite, j'ai exercé pendant 15 ans sur des postes de manager en RH. Et en même temps, j'avais un engagement associatif dans une association dans laquelle on fait de l'accompagnement à la recherche d'emploi de groupe. C'était une démarche que je ne connaissais pas du tout. À cette occasion, j'ai vraiment découvert la puissance et l'énergie du groupe et j'ai eu envie d'en faire profiter un maximum de personnes avec une grande accessibilité géographique. Donc, ça s'applique. Aujourd'hui, on est en total remote. Ça veut dire que les groupes se retrouvent à distance avec une très belle qualité du lien social qui est préservée. Et ça peut se faire de toute la France et évidemment une grande accessibilité financière puisque nous avons aussi un tarif solidaire pour celles d'entre vous qui n'ont pas de prise en charge pour faire un bilan de compétences. Je ne sais pas si c'est le cas ce matin. Peut-être que vous êtes en démarche de retour à l'emploi après un congé parental. Peut-être que vous êtes agent public et qu'à ce titre, vous n'avez pas de prise en charge. Peut-être que vous avez déjà utilisé votre CPF. Il y a beaucoup, beaucoup d'actifs qui n'ont pas de prise en charge lorsqu'ils veulent faire un bilan de compétences. Donc, nous, on existe aussi pour eux. Donc, Ensemble un Job, c'est un bilan de compétences solidaire et collaboratif. On est membre du hashtag Tech for Good, puisqu'on fait aussi partie de l'innovation. Donc, je vous l'ai dit, notre cahier des charges, c'est vraiment extrêmement important. C'est d'être accessible pour le plus grand nombre, financièrement et matériellement. D'accord ? Évidemment, dans notre cahier des charges,
on doit être qualitatif. Aujourd'hui, nous sommes certifiés Calliope, pris en charge à 100% par le CPF. Cela signifie qu'à la fois notre plateforme, notre bilan collaboratif et les consultants avec lesquels on travaille remplissent tous les normes de qualité qui sont nécessaires. Et alors, comment on travaille? C'est quoi le collaboratif dans la recherche d'emploi et dans le bilan de compétences? C'est qu'en fait, on va, le principe du collaboratif en général, c'est de donner de la valeur à quelque chose qui n'en a pas. Voilà, Blablacar donne de la valeur au siège vacant de votre automobile qui, a priori, n'avait pas de valeur. Eh bien, moi, je donne la valeur à votre intelligence, à votre capacité de conseiller autrui dans une démarche informelle. D'accord? Et donc, c'est pour ça que récemment, la semaine dernière, on a eu une petite parution presse qui m'a fait bien plaisir et qui nous a appelé le Blablacar de la recherche d'emploi. Et j'ai trouvé que c'était merveilleux parce qu'en fait, on arrive largement au même point qu'avec un bilan de compétences, même plus loin, quand on est porté par l'énergie de son groupe, par le regard bienveillant des autres. Et puis en même temps, le chemin que vous faites vous enrichit par des rencontres qui sont merveilleuses. Vous voyez, j'ai un groupe, un des premiers groupes qui avait démarré à Nantes il y a du coup, maintenant 4 ans, continue à se voir. Les groupes Ensemble un job nouent et tissent des liens qui perdurent dans le temps. Donc, nos valeurs en accompagnement à la recherche d'emploi, elles sortent du lot aussi, puisque c'est confiance, engagement et solidarité. Donc, quand je vous dis confiance, c'est d'abord confiance dans le fait que cette période que vous vivez, les raisons pour lesquelles vous êtes derrière votre écran ce matin, eh bien, ça va se terminer d'une manière positive et que ça va vous tirer vers le haut. Et je suis confiante aussi dans votre capacité à être positive et bienveillante dans un groupe. En clair, à apporter, à avoir une belle valeur. Ensuite, notre deuxième valeur, c'est engagement. C'est engagement au maximum dans votre recherche d'emploi et dans la création, dans la réussite de votre projet pro. Et engagement dans votre groupe Ensemble un job. Ça ne peut marcher, et d'ailleurs ça ne marche, que parce que nous avons des membres qui sont hyper engagés, qui sont vraiment contents de ce qu'ils vivent et qui souhaitent le partager. Et enfin, solidarité, c'est vraiment la base de notre démarche. Vous entrez dans un groupe, vous êtes solidaires, vous vous écoutez et vous vous entraînez les uns les autres. Donc comment ça marche Ensemble un job? Le grand principe, il faut comprendre que quand vous rentrez à Ensemble un job, vous entrez dans un groupe de 4 personnes, donc c'est un tout petit groupe. Et vous allez vous retrouver toutes les semaines pour une réunion de travail. Donc, ce n'est pas du tout un groupe de parole, c'est un groupe de travail. Dans cette réunion, il n'y a pas de consultant présent. C'est pour ça que c'est collaboratif. Chaque membre a des exercices à faire sur notre plateforme de bilan, des exercices de bilan que je vais vous présenter. Donc, il va les préparer avant sa réunion. Et chaque groupe a un consultant qui lui est attribué. Donc, le consultant, il va intervenir lorsque vous le sollicitez, quand vous lui posez des questions. Il va aller sur la plateforme pour relire votre travail et vous dire, bah, « Tiens, Brigitte, là, tu as parfaitement compris la méthodo, donc tu peux commencer à travailler sur l'exercice suivant. Ou alors, moi, je t'invite à creuser tel ou tel point. » Et puis, toutes les semaines, le groupe va envoyer à son consultant un compte-rendu qui nous permet de suivre la qualité de vos échanges. Et donc, chaque membre va faire son travail, échanger avec son consultant, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Et ensuite, il va présenter son travail oralement à son groupe, avec une méthode de présentation qu'on lui fournit. Le groupe a des éléments pour pouvoir apprécier avec bienveillance le travail de chaque membre. D'accord? Et nous avons deux offres qui sont prises en charge à 100% par le CPF. Et avec ces offres-là, vous avez un bilan de compétences collaboratif et en plus, vous avez avec le même consultant des heures de face-à-face pédagogique. Donc des heures où le consultant est complètement dédié à vous pour compléter votre démarche collaborative. Donc ça, ce sont des offres qui sont évidemment très puissantes et qui fonctionnent super bien. Mais nous, on est solidaires et on ne lâche pas notre bilan collaboratif pour celles et ceux qui n'ont pas de prise en charge financière. Donc, Ensemble un job, c'est un groupe autonome de 4 membres, 16 réunions de travail, une plateforme de travail collaborative et un e-consulting. Ça, c'est vraiment la base. Alors,
pourquoi est-ce que vous allez rentrer dans un groupe autonome? Donc, c'est 4 membres. 4 membres, c'est le bon chiffre pour pouvoir avoir aucun problème pour vous organiser vous-même, pour définir les heures de réunion, pour être en capacité de vous organiser aussi en autonomie sur l'auto-animation de vos réunions. Aujourd'hui, vous vous voyez, maintenant, nos groupes Ensemble un Job, ils se retrouvent uniquement en distanciel. Vous voyez, là, en ce moment, j'ai un groupe. C'est un groupe un peu particulier parce qu'il y a une personne qui habite au Canada. Donc, ils se sont tous engagés à se retrouver après 17 heures. C'est tout à fait exceptionnel et ça fonctionne extrêmement bien. Moi, j'ai créé Ensemble un Job avec une ambition solidaire extrêmement forte. Et donc, au départ, nos groupes se retrouvaient en présentiel. C'était la base et je ne voulais pas entendre parler du distanciel. Avec le confinement, ben, on n'a pas eu le choix. On est parti en distanciel et je me suis rendu compte que la qualité du lien social était évidemment aussi bonne et peut-être que vos réunions, elles sont plus professionnelles parce qu'il y a moins de « je t'offre un petit café, blablabla ». Vous êtes plus focus sur votre objectif. Donc, croyez-moi, voyez, l'autre jour, j'étais à Nantes dans le cadre de la Nantes Digital Week et on avait le témoignage d'un dirigeant d'entreprise qui avait fait des tests avec des groupes en distanciel et des groupes en présentiel et il nous disait que pour lui, de son point de vue, la qualité du lien des groupes distanciels était plus forte. Et moi, je pense que c'est ce que l'on vit également. Donc, au niveau de la solidarité, de l'écoute, de la bienveillance de votre groupe, n'ayez aucun doute. Le distanciel, ça marche bien, c'est canon, ça vous évite les temps de trajet. Donc, voilà, vous avez une dynamique de travail puisque vous avez une réunion par semaine. Et puis, comme vous avez votre rendez-vous hebdomadaire avec un groupe qui est 100% à l'écoute, parce que comme ce ne sont pas des consultants professionnels, ils sont hyper impliqués et engagés. Du coup, bah vous êtes impliqués et ça permet aussi de vous décentrer puisque vous allez recevoir, je vais vous l'expliquer concrètement, les appréciations de votre groupe qui vont enrichir le regard que vous portez sur vous et sur votre expérience. Donc, vos groupes, ils sont mixtes. Vous avez des personnes en poste et des personnes en recherche d'emploi. Donc ça, je vous le dis parce que c'est carrément pas français. En France, quand vous êtes en recherche d'emploi, eh ben, vous n'avez plus le droit de parler à des gens qui sont en poste. Tous les trucs de Pôle emploi, c'est que pour les gens qui sont en recherche d'emploi, bien évidemment. Donc moi, je veux casser ça. Donc évidemment, ce sont des groupes mixtes, des personnes en poste, en recherche d'emploi. Et puis dans les personnes qui sont en poste, vous avez tous les horizons professionnels. Moi, j'accueille des indépendants parce qu'eux aussi ont très peu de prise en charge CPF. J'accueille des fonctionnaires, j'accueille des salariés, bien évidemment, des salariés du privé. Donc, vous avez vraiment tous les horizons professionnels et personnels. Et ça, c'est aussi hyper enrichissant dans votre démarche de recherche d'informations et de questionnement sur votre, et de définition de projet professionnel. Alors, moi, ce que je veux vous faire comprendre ce matin, c'est à quel point le fait d'être dans un groupe autonome va vous renforcer et vous soutenir pendant cette difficile période de questionnement et pour la réussite de votre projet. Donc, vous êtes dans votre groupe et vous allez vous retrouver toutes les semaines. Vous avez 16 réunions de travail et la durée des réunions, c'est entre 1h30 à 2h30. Vous avez tout sur la plateforme. Ça veut dire que vous n'avez absolument rien à faire pour organiser vos réunions. Ça, on vous le fournit. Chaque réunion a un ordre du jour minuté, détaillé, la manière dont chaque exercice doit être présenté au groupe est évidemment fournie. Donc, nous, aujourd'hui, on n'a jamais eu un membre qui a des difficultés à s'approprier l'outil. Ça ne nous est jamais arrivé. Donc, c'est vraiment un parcours qui est avec une progression très douce qui vous permet de vous approprier les outils et vous êtes totalement en sécurité, vous êtes en autonomie. Et pour pouvoir être en autonomie, ça veut dire que de tous les côtés, vous avez des cordes et des filets. D'accord ? Vous n'êtes jamais livré à vous-même. C'est vous, avec les membres de votre groupe, qui allez définir l'heure de votre rendez-vous. Donc ça aussi, ça permet de s'adapter aux contraintes d'emploi du temps sans être figé avec des réunions qui commenceraient toujours à 19h alors que ce n'est carrément pas l'horaire qui vous convient, quoi. Donc ça, vous le voyez entre vous. Et donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes en distanciel et le distanciel, en fait, eh ben, pour notre format de groupe de 4 personnes, c'est canon. Donc, allez-y. Et donc, dans la séance, pour une séance de bilan, une réunion de travail, vous avez un ordre du jour, une durée limitée et des fonctions à assurer. Et les fonctions
Vous avez un secrétaire qui va faire le compte-rendu que le consultant va relire. Vous avez un minuteur, lui tient le temps. C'est la fonction la plus difficile et heureusement, elle tourne parce que chacun va se rendre compte à quel point c'est inconfortable de couper la parole à un copain et donc il ne le fera pas la fois d'après. Et puis, vous avez un organisateur. Donc, l'organisateur, aujourd'hui, sa fonction, c'est essentiellement de bien rappeler l'heure de la réunion et de vous créer le lien d'accès. Et vous avez une plateforme de bilan avec des supports multimodaux. Donc, déjà, chacun va recevoir un bouquin qui fait 100 pages avec toute la méthode. Donc, il y en a qui ne vont pas l'ouvrir. Un jour, il y en a même un qui ne l'avait jamais reçu. Je dis, mais j'ai reçu votre support par la poste là, qui m'a été retourné. Il me dit, ah ben, je ne savais même pas que j'en avais besoin. Donc, voilà. Et puis, il y en a qui vont l'apprendre par cœur. Moi, j'ai des membres qui me montrent leur support qui est bourré de Stabilo. L'objectif, c'est que chacun ait un outil qui lui convient. Et puis, évidemment, en ligne, vous avez des vidéos d'explication, des supports à remplir et de nombreuses ressources avec beaucoup d'exemples qui vous permettent à chaque fois de bien vous approprier les outils. Et vous avez des exercices de bilan. Vous commencez par travailler vos ressources à partir de situations personnelles et professionnelles que vous avez vécues, que vous allez décrire avec la matrice qu'on vous fournit, donc avec une méthode de travail très précise. Ensuite, vous travaillez sur vos goûts, vos valeurs. Vous faites un exercice qui s'appelle le reflet où vous vous présentez à votre groupe et à nouveau, c'est avec des éléments qu'on vous fournit. Donc, on n'est évidemment pas du tout dans l'intrusion. Ensuite, vous avez un exercice qui s'appelle le remue-ménage où votre groupe va vous fournir plein d'idées de métier à partir de tout ce que vous lui avez donné comme information. Puis, vous retenez deux options que vous allez présenter à votre groupe. Et ensuite, vous faites votre choix que vous présentez à votre groupe. Et puis, vous passez en phase active. C'est vrai que nous, c'est un bilan qui dure longtemps parce qu'on vous accompagne aussi jusqu'au démarrage de votre projet. Si vous dites que vous voulez devenir un site, vous ne dites pas « ciao ». On va creuser ensemble comment est-ce qu'on y arrive. D'accord ? Donc, ça, c'est aussi très important. Quand je vous dis qu'on est le meilleur rapport qualité-prix, c'est qu'on a un accompagnement qui est vraiment global. Alors, pour vous donner un exemple très concret, donc les ressources, vous allez partir de situations concrètes que vous avez vécues, vous allez la présenter à votre groupe et à partir de cette situation, vous allez identifier des ressources. Je vais vous prendre un exemple, une membre qui a eu un engagement associatif très important, qui s'est retrouvée directrice d'une association, elle n'avait jamais managé et elle s'est retrouvée à faire le pire du pire en termes de management, c'est-à-dire manager des bénévoles. Et en fait, elle a présenté cette situation à son groupe et le groupe identifie plus de ressources que ce qu'elle-même a identifié. Et c'est là où je vous dis que vraiment le regard du groupe va vous enrichir et que vous-même, vous allez enrichir le groupe avec votre expertise, avec votre singularité. Et donc, c'est ça qui est vraiment génial. Et comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas du tout livré à vous-même puisque vous avez un consultant qui est dédié à votre groupe. Donc, les consultants, moi, j'ai de la chance. Ce ne sont que des anciens membres ensemble un job et elles ont toutes eu une première vie professionnelle et elles se sont reconverties. Donc, votre consultant, il est toujours là à votre écoute pour répondre à vos questions et pour relire vos productions écrites. Et pour celles qui ont des formules qui sont prises en charge par votre compte personnel de formation, eh bien, le consultant, ce sera aussi votre consultant individuel avec qui vous aurez des temps d'échange sur la définition de votre projet. Est-ce que j'ai des questions, Séverine? Mais Alors, je ne t'entends pas très, très bien. Oui. Donc, me revoilà. Le temps que je me prépare. Voilà. Alors, Claire, tu as une question de FamilyMJ, mais je pense que tu as répondu après au fur et à mesure, qui te demande quels sont les exercices à travailler. Mais je pense que tu as répondu sur les exercices de groupe, notamment. Voilà. Alors, est-ce que j'ai répondu, Fanny, ou est-ce que vous voulez que je détaille? Je pense que tu peux refaire un petit peu, à mon avis, tu peux en reparler, Claire. D'accord. Alors, vous avez en fait, vous avez trois grandes étapes et pour chaque étape, vous avez plusieurs exercices. La première étape, c'est qui je suis, ce que je sais faire. Et donc, cette étape-là, vous commencez par identifier une quinzaine de situations. On vous dit au moins 10 professionnels et 5 personnels. Et à partir de cette situation, vous allez identifier vos ressources, qui sont aussi vos compétences.
Et vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup plus de compétences que ce que vous imaginez. Mais ce qui est important, c'est de ne pas partir d'une liste, mais de partir de ce que vous avez vécu. Ensuite, dans cette première étape, vous allez identifier vos goûts et vos valeurs et vous allez faire un exercice qui s'appelle le reflet, où vous vous présentez à votre groupe avec une méthode qu'on vous fournit. Donc, c'est aussi un exercice d'introspection pour définir vraiment la ligne rouge de votre parcours. Ça, c'est la première étape, qui je suis, ce que je sais faire. Ensuite, vous passez à la deuxième étape, ce que je veux faire. Donc, ça commence par le remue-ménage, où vous avez une séance qui vous est dédiée, où les membres de votre groupe à qui vous avez donné toutes vos compétences, toute votre histoire professionnelle et personnelle, vos goûts, vos valeurs, ils commencent à bien vous connaître. Et à partir de là, ils vont chercher des idées de métier qu'ils vont vous proposer. Donc, vous vous retrouvez avec plein d'idées. Ces idées-là, vous allez les trier pour en retenir que deux options. D'accord ? Donc là, c'est pareil. À chaque fois, vous avez une matrice qui est fournie en ligne et vous allez la remplir. Et ces options, vous allez les… Et vous définissez vos deux options et votre cahier des charges. Hyper important. Combien je dois gagner par mois ? Quel est mon bassin d'emploi ? Quelles sont mes éventuelles contraintes ? Il y en a qui ont des contraintes d'enfants, de parents, blabla. Une fois que vous avez tout ça, vous allez présenter vos options à votre groupe qui va échanger avec vous. Et puis, vous en retenez qu'une seule qui devient votre projet. D'accord ? Et donc, ça, c'est la deuxième étape. Et puis, vous passez à la troisième étape qui est vraiment l'étape active, mais qui est inclue dans votre bilan ensemble un job, qui n'est pas la même en fonction des projets. Si vous partez sur un projet de création d'activité, vous n'aurez pas la même phase active que dans un projet de recherche de salariat. Est-ce que c'est plus clair pour vous ? Alors, juste pour te dire, Claire, tu sais, des fois, il y a 2 ou 3 minutes de latence entre le moment où tu parles et la question des visiteuses. Donc, elles ne te répondent pas directement sur le chat. Voilà. Sinon, tu as une autre question de Camille, du coup, qui demande comment se sont formés les groupes ? Comment vous choisissez les groupes ? Alors, ça, c'est une super bonne question. Parce que tu parlais de Canada tout à l'heure, du coup. Pardon ? Comme tu parlais du Canada tout à l'heure, c'est vrai que c'est intéressant de savoir comment tu choisis quelqu'un du Canada avec des groupes qui sont… Alors, en fait, c'est plutôt la personne du Canada qui m'a choisi. D'accord. Parce qu'elle voulait faire un bilan de compétences innovant, collaboratif et pris en charge CPF puisqu'elle a travaillé en France. Donc, elle n'avait pas l'embarras du choix. Mais par contre, moi, je ne l'aurais jamais… Nous, on n'accepte aucun membre sans faire auparavant un diagnostic personnalisé. Donc, moi… Et Séverine, qui est ma business développeur en Rhône-Alpes, Séverine et moi, on va recevoir chaque membre. Et lors de ce diagnostic, on valide déjà que ça correspond à son besoin et sa capacité à rentrer dans un groupe, sa capacité émotionnelle. Ça, c'est pour les personnes qui ont vécu des épisodes un peu traumatiques, comme malheureusement, on en vit de plus en plus des types burn-out. Et puis, sa capacité matérielle. Donc, par exemple, cette jeune femme, elle m'a dit très rapidement, bah, moi, pour faire ensemble un job, une fois par semaine, je serai debout à 5 heures du matin. Et voilà, c'est comme ça. Parce que sinon, bah, elle ne pouvait pas, en fait. Parce que moi, je ne peux pas imposer à un groupe de se retrouver toujours à 19 heures. C'est trop lourd. Voilà. Donc, vraiment, il y a l'entretien personnel et la capacité matérielle d'entrer dans un groupe. Une fois que ces deux éléments sont validés, les groupes sont composés de manière totalement aléatoire. Parce que moi, je ne peux pas préjuger de la qualité de la rencontre. Alors, vous avez compris, Ensemble un job, c'est vraiment une expérience personnelle de découverte de soi et des autres. C'est vraiment une expérience de développement professionnel. Donc, depuis notre création, on a plus de 220 membres qui sont dans toute la France. À notre dernière enquête de juillet dernier, on a 96% qui nous recommandent. 96%. Aujourd'hui, dans tous les membres Ensemble un job, j'ai 24%, c'est énorme, qui sont venus juste par le bouche à oreille. Ça veut dire que les membres sont tellement contents qu'ils nous recommandent. Donc nous, comme je vous l'ai dit, on est certifié Calliope et pris en charge par le compte personnel de formation. Donc concrètement, pour celles d'entre vous qui n'ont pas de prise en charge, on a un tarif solidaire à 580 euros qui est réservé pour celles qui n'ont pas de financement. Et n'oubliez pas, vous avez une prise en charge qui dure 20 semaines. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et c'est une prise en charge de qualité. D'accord ? Et ça, c'est notre engagement solidaire. C'est vraiment la raison pour laquelle on existe. Et puis, comme on a la chance d'être pris en charge par le compte personnel de formation, on a créé 2 offres que je vous détaillerai. Une offre qui s'appelle « Ensemble un job simple » qui est à 890 euros et une offre qui s'appelle « Ensemble un job renforcé » à 1590 euros
où là, vous avez un test de personnalité, une analyse cardiologique, et c'est une offre qui marche extrêmement bien. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà pour celles qui sont à Nantes, mais je sais qu'en général, au salon en ligne, il y en a beaucoup qui sont assez loin et qui profitent de ces événements. Mais pour les Nantaises, moi, je vais faire un workshop jeudi matin à 10h30 qui s'appelle « Trois clés pour vivre sa reconversion professionnelle autrement et la réussir ». Donc là, je vous parlerai vraiment de des événements qui impactent votre parcours. Donc, venez. Et puis, venez nous rencontrer sur notre stand. On sera sur le salon Profession L. Et puis, pour faire connaissance et mieux vous expliquer ensemble un job dans le détail, je fais une e-réunion de présentation lundi prochain à midi. Donc, normalement, je crois que vous devez avoir les liens d'inscription qui défilent. Oui. Camille a dû les mettre. Sinon, vous avez tout sur mon stand virtuel. Et puis, vous avez tout sur mon site ensembleunjob.fr. Et j'ai une séance pour les Nantaises en présentiel à la cantine numérique qui est mardi prochain à 10h à Nantes. Donc, pour les deux, c'est évidemment gratuit. En revanche, c'est sur inscription. Donc, pensez à vous inscrire. Et ce que je veux vous dire pour celles que je n'aurai pas l'occasion de voir au salon, c'est que sur mon site, vous avez énormément de ressources qui vous aident pour mieux comprendre votre questionnement et mieux construire votre projet professionnel. Donc, allez-y. Vous avez sur le site un e-book qui s'appelle « Reconversion professionnelle, faire le tri entre le ras-le-bol et l'envie ». C'est un e-book qui marche hyper bien parce que c'est une autre approche qui vous permet vraiment de comprendre comment les événements que vous avez vécus font qu'aujourd'hui, vous êtes dans un questionnement. C'est déculpabilisant, ça, c'est éclairant et ça vous permet vraiment de reprendre confiance. Ensuite, vous avez des webinaires en replay. Moi, j'ai la chance d'avoir des membres qui sont très solidaires et j'en ai qui montent des projets magnifiques. Donc, sur les webinaires en ce moment, vous avez Delphine Vacher, qui est une Nantaise, qui vous raconte comment elle a montré sa recyclerie qui s'appelle Le Petit Grenier, qui est la première ressourcerie des arts du fil. Delphine, que j'avais rencontrée sur un salon Profession L. Et puis, vous avez un webinaire qui vous explique comment faire du réseau lorsque vous êtes en recherche d'emploi. Donc, c'est vraiment des ressources qui sont hyper utiles, hyper opérationnelles et qui vont vous éclairer. D'accord? Donc, je ne sais pas si on a encore Claire. Le temps pour quelques ouais. questions. Alors, si vous voulez que je répète les infos. Du coup, tu as beaucoup, beaucoup d'interactions assez positives de la part de tout le monde. Tu as Camille qui te félicite pour tes valeurs, que tu portes. C'est vrai que c'est des très belles valeurs. Je le répète et on l'a mis dans le chat, effectivement, live accès au webinaire. On répète que tu as la cantine, c'est ça, la semaine prochaine. La cantine numérique. La cantine numérique. Parce que la cantine, c'est tous les jours, c'est possible. Pardon. On peut télécharger l'e-book, on a mis le lien aussi dans les chats. Et après, tu as des Ensemble un job, événements et ressources pour découvrir un petit peu tout ce que vous proposez sur Ensemble un job. Et effectivement, le lien sur le salonprofessionnel.com online pour aller sur ton stand et découvrir un petit peu toutes ces infos. Alors du coup, la question qu'on me pose, c'est quelles sont les étapes pour rejoindre Ensemble un job? On commence comment? Alors déjà, je voudrais juste remercier sur les valeurs. Moi, ça fait 5 ans que je porte Ensemble un job et je n'aurais jamais, jamais, je ne serais jamais arrivée jusque-là si je n'avais pas eu ces valeurs très fortes et cette différence de posture dans laquelle je crois tellement et le soutien des membres qui est tellement génial. Donc, vraiment merci. Et alors, comment Ensemble un job? Eh bien, si vous êtes intéressé, le plus simple, en fait, c'est de vous inscrire pour un diagnostic individuel. Inscrivez-vous sur les séances découvertes. Voilà. Première étape, vous vous inscrivez. On fait connaissance lundi ou mardi. Lundi en distanciel, mardi en présentiel ou bien sûr sur le salon. D'accord? On prend rendez-vous si vous êtes emballé. On prend rendez-vous pour votre diagnostic. Et à l'issue de ça, vous vous inscrivez par votre CPF. D'accord? Sur le CPF, vous avez tout le chemin qui est expliqué. C'est très simple. Mais de toutes les façons, il faut d'abord qu'on fasse connaissance et qu'on fasse ce diagnostic. C'est hyper important. C'est important pour vous aussi, pour vous assurer que ça vous convient et que c'est votre besoin. Parfois, il y a des gens qui viennent et ils sont en création d'activité. Je leur dis, ben, venez pas. Mais c'est très important qu'on se rencontre. Donc, inscrivez-vous aux séances découvertes et puis venez me voir sur le site. Ce sera trop chouette sur le salon. D'accord? Mais on aura d'abord un point de contact et je vous expliquerai tout.
Parfait. Merci beaucoup, Claire. C'était très clair comme d'habitude, très intéressant. On a hâte de te retrouver effectivement en présentiel à partir de jeudi, donc dans les salons Mauduit à Nantes. On change un petit peu d'adresse. On est ravis en tout cas de te retrouver en vrai. Et on vous dit à très bientôt. En tout cas, merci. Bon salon, Claire. Et je te dis à très bientôt. Et nous, on continue avec la suite des workshops. À très vite. Merci.